Et bien salut tout le monde, c'est Mister Joe, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui sur One Piece Treasure Cruise pour une petite vidéo spéciale tutoriel, donc le tutoriel pour faire un Mihawk. J'ai tenté de vous faire le 40 d'énergie, j'ai fait des erreurs, ça m'a saoulé, et puis vous avez plus les persos que j'avais besoin pour faire la team, donc j'ai fait un tuto pour le 30 d'énergie accessible, accessible à pas mal de monde, enfin pas mal de monde. Ouais, on va dire ça. En tout cas, le 30 d'énergie reste assez simple. Donc voici la team que j'ai utilisée pour faire le 30 d'énergie. Donc j'ai utilisé Laoji, hein, même pas boosté, en capitaine pour réduire les spéciaux de 3 tours et doubler l'attaque des personnages de classe cogneur. Ensuite, j'ai pris mon petit Luffy, Goum Goum Ballon. Juste comme ça, après vous pouvez avoir plus puissant. Hein. L'important c'est d'avoir un personnage strong qui tape un minimum. J'ai envie de dire deux personnages strong dans l'équipe qui tapent un minimum. Après vous pouvez prendre relativement ce que vous voulez. Ensuite j'ai mis le petit talon Arlong que maxé 3 étoiles, il faudrait que je l'évolue un de ces jours. Donc toujours pour du strong, tout simplement. Golden Usopp Pound, absolument, j'ai envie de dire, c'est inévitable. Il vous le faut. Il vous le faut pour vraiment que vous fassiez ce donjon relativement facilement. Après, le principe étant de, c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs monnaie, de retarder le plus possible les tours. Soit il vous faut un réducteur de dégâts de minimum 80%. Soit Joaz qui annule l'attaque Dex pendant un tour, soit des réducteurs, des retardeurs de tour. Donc c'est pour ça que j'ai pris Monet et Golden Usopp. L'avantage de Monet, c'est qu'en plus, sur les ennemis retardés, elle fait un bonus de dégâts de 1,25. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour faire ce petit raid. Après, comme vous le voyez, j'ai pas masse vie. Hein. J'ai pas masse vie, mais c'est pas vraiment très important si vous arrivez à gérer la chose. Sur ce les amis, on se retrouve donc sur le raid. Je vais faire ça en post-commentary parce que j'ai record à l'avance. Et tout simplement, bah tout de suite. Donc nous revoilà les amis en post-commentary. Donc premier stage, premier et deuxième stage à finir tranquille. Il me semble pas que j'avais chargé un tour, mais voilà. Ceux qui vous attaquent, vous le butez tout de suite. Et s'il reste deux tours aux ennemis, vous pouvez vous garder un tour pour charger un tour. Hein. C'est toujours bon à prendre un tour. Le but est toujours de ne pas prendre de dégâts sur les deux premiers tours, à part le personnage qui vous fait un dégât direct. Ça, vous pouvez rien y faire. Vous le butez. Le crabe, vous chargez donc les 5 tours dessus. Et arriver au dernier tour, vous le butez. C'est aussi simple que ça. Alors, il me semble qu'au 40 d'énergie, soit il y a un stage supplémentaire, soit c'est avec un pingouin. Le pingouin fait pas trop de dégâts, du coup, on peut se permettre de se faire frapper une fois et de recharger 4 tours après. Donc, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc, voilà, je charge tranquillement, hein, toujours ceux qui frappent le moins fort ou qui ont le moins de combos, en l'occurrence 4 combos ici. Si en plus ça peut me faire des cercles correspondant à la j'allais dire classe, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus le type du personnage, c'est parfait. Stage suivant, donc il y a une tortue ici, normalement il y en a 3 aux 40 d'énergie. Toujours, hein, ne pas prendre des dégâts, on économise vu qu'on n'a pas beaucoup de vie. Donc je vais le mettre assez bas en vie pour gagner un tour. Voilà, là je stoppe. Je prends mon petit tour de chargement. Vous voyez, Golden Usopp Pound est déjà chargé grâce à mon Laoji qui réduit le temps de recharge de 3 tours. Pareil pour Monet. Donc c'est deux personnages que j'ai vraiment besoin pour faire ce 30 d'énergie. Ensuite ici, donc faites gaffe aux personnages. En l'occurrence pour moi, je devais faire gaffe aux personnages un tas. Je me suis fait avoir 2-3 fois, du coup j'ai dû recommencer. Si vous laissez, c'est la folie. Si vous le laissez en vie et il vous met 4 tours de lien sur les deux personnages psy, donc Golden Usopp
et monnaie. Donc après, vous pouvez plus rien faire, ça sert à rien d'essayer de faire de continuer le donjon. Donc là, je me suis pris des dégâts. J'ai mal géré. J'avais le personnage qui faisait pas assez de dégâts, du coup, j'ai pas pu faire ça en une vague. Mais si vous pouvez faire ça en une vague, c'est parfait. En 40 d'énergie, vous avez le cheval que vous butez avec Usopp, c'est le mieux, il one shot. Sinon, il vous fait des liens aussi sur toute l'équipe, il me semble. Ensuite, Mihawk, donc il a 590 000 HP. C'est le double en 40 d'énergie. Il fait une attaque préventive de 2000. Donc vous voyez, là il me reste à peine 2000 HP. Je peux pas me reprendre des dégâts. Donc je claque direct Golden Usopp pour gagner 3 tours. Je bourrine dans le bon ordre si possible. Donc en ami, j'ai un Luffy Gear Sword pour les parfaits. Là-bas, je voulais pas prendre ça, mais bon, ça marche aussi. Donc là, hop, toujours, je maximise mon attaque, 269 000, c'est pas trop mal. Franchement, les jambonos, ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire, donc je décide de claquer. Est-ce que je décide de... Non, c'est pas maintenant que je décide de claquer monnaie, je le garde. Je garde encore un tour. Voilà, je frappe. Bim. Donc en dessous de 20% de vie, il attaque tous les tours de 10 000 de damage et de 20 000 en 40 d'énergie. Donc là, je fais monnaie parce qu'il est toujours en mode retardé pour booster mes dégâts. Et je finis par bourriner Mihawk avec ce qui me reste tout en ayant toujours fait des parfaits. Hein, c'est le mieux pour faire un max de dégâts. Et c'est dans la boîte, j'ai réussi à le faire. Donc après, vous pouvez le faire vraiment avec un peu tout, même des personnages de quête. Hein. Vous faites double Zef par exemple, avec les... Vous faites une team cogneur, ça passe aussi. Le principe est vraiment de retarder ou de réduire les dégâts lorsqu'il frappe, tout simplement. Voilà. Pour ce, les amis, j'espère que cet épisode tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas... Le j'aime et le commentaire, faites-le partager à un max de personnes pour aider tout simplement. Et je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye tout le monde.